Didier Auvernet, vous êtes l'entraîneur d'Umberto Donacre dans le quintet de mardi à Vincennes. Le cheval retrouve un bel engagement avec les seuls Français comme le 25 décembre. Il a monté en puissance surtout parce que il a besoin de la course qui va vers les poumons le 25. Là. Et ouais, le cheval, il était en cours de préparation. Là, il a profité de sa préparation suite à la course du 25. Donc, l'engagement est bon. Il y a encore un trop beau chevaux, mais bon. Il peut figurer en bon classement, je pense. Ah, il n'a pas les V à affronter cette fois-ci. Ouais, il n'a pas les V. Puis en plus, je pense que ça lui a fait du bien. Hein. Il fallait encore le 25, l'a ouvert. Hein. Donc là, il se retrouve dans une bonne de course. Donc vous avez certainement des ambitions importantes à ce niveau-là. Les 4-5 premiers quand même. Bon, après, je peux être sinatrophème comme 6e, mais je peux pas être dans les 4-5 premiers. Non, c'est bien que. Moi, j'ai 2-3 chevaux qui détachent peut-être, puis après, il va arriver derrière. Quoi. Oui, surtout que avant toute chose, il faut le parcours, peut-être avec Umberto, venir vraiment faire les 400 derniers mètres. Ouais, faisons, il faut toujours le courir caché, parce que c'est un cheval qui est bouillant. S'il donne trop, il va brûler l'énergie. Donc, il faut toujours le courir caché, sinon, en plus, il aura un courir caché. Mais bon, s'il est revenu quasiment à son meilleur niveau, les parieurs peuvent lui accorder une certaine confiance. Ah ouais, moi je pense qu'il faut lui accorder une confiance. Peut-être pas pour la gagne, mais enfin bon, il peut très bien être 3-4e sans problème.